Green Sally down, last done start, gotta tell the crown. Green Sally up, Green Sally down, last done start, gotta tell the crown. Salut les belettes, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. J'avais posté il y a peu de temps une photo sur Instagram avec du bleu sur mes yeux et j'avais mis pourquoi suivre les règles, parce que c'est vrai qu'on entend toujours ne pas mettre du bleu sur des yeux bleus, etc. Et je vois pas l'intérêt de suivre ces règles là, il suffit juste de savoir doser le make-up et on peut absolument tout mettre à mon sens. Donc voilà, vous m'avez demandé un tuto, donc je le réalise aujourd'hui. Vous avez dû voir que j'ai un petit peu changé d'emplacement, donc si la luminosité n'est pas au top, je suis désolée, j'ai encore des petits réglages à faire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, et puis voilà, je vous laisse avec le tuto, et à tout de suite. Alors, je commence tout d'abord par appliquer ma base de fard à paupières pour que l'ensemble tienne beaucoup mieux. Je vais commencer par dessiner le creux de la paupière avec un fard taupe relativement clair. Sur la paupière mobile, moitié interne, je vais venir appliquer un fard bleu ciel. Et sur la moitié externe de la paupière mobile, je vais venir appliquer un fard bleu nuit assez flashy. Passons maintenant au liner. Pour cela, je vais utiliser mon liner de chez Maybelline. Comme à mon habitude, pour l'arcade sourcilière, je vais venir utiliser un fard de teinte porcelaine. Pour le ras-de-cils inférieur, je vais venir appliquer un crayon blanc assez flashy également. Je vais maintenant pouvoir recourber mes cils. Et passer au mascara. Et voilà pour le maquillage des yeux. Voilà, alors en ce qui concerne le visage, j'ai déjà fait le teint, je vais juste venir poudrer. Pour ça, je vais prendre ma poudre minérale de chez Kiko. En ce qui concerne le blush, j'ai envie de mettre un rose un peu plus flashy. Donc je vais venir prendre cette couleur-ci. Et un highlighter, je vais prendre le si réputé Marilou de chez The Balm. Pour le teint, c'est fini. Passons maintenant aux lèvres. Pour les lèvres, je vais rester dans du rose également. Et je vais mettre mon rouge à lèvres de chez Essence que je vous avais présenté et qui était également à gagner sur le concours en teinte 10. Voilà mes belettes, alors le tuto est fini, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai pas, si vous aviez regardé la photo Instagram, j'ai pas repris le même trait de liner. Sur Instagram j'avais fait une grande virgule, là j'ai voulu rester assez minimaliste parce que voilà, il y a du bleu foncé donc je vais pas surcharger.
Et puis voilà, il fait beau aujourd'hui, j'avais envie d'un peu de légèreté, donc voilà. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Laissez-moi des commentaires. Et puis je tiens également à remercier toutes ces nouvelles abonnées. Je ne sais pas d'où vous venez les filles, mais vraiment merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreuses et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Et voilà, ça me motive vraiment, vraiment à continuer et à donner encore plus. Et voilà, merci à vous. Et puis écoutez, je vous fais plein de gros bisous pirates. Et puis je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Oh, Miss Lucy dead and gone, left me here to weep and moan.